C'est parti, mesdames et messieurs. Merci encore, Nandenge, vous avez branché sur vos Sauf Congo, toujours dans le cadre de Masolo Itali Yamboka. Voilà, Tokiti, ah, on a parlé ma victoire Mangai. L'actualité est autour de l'intervention du chef de l'État dans l'émission TV5 où ils ont suscité un débat autour toujours de l'affaire 15 millions. Et une question va poser qui Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a dit na Congo te mets ça na COP. COP nde ba do lobi ah comment président comme soutenir COP ya loba ki a côté les mela ba corruption a côté les mela marambe belé ya droit mais comment ya comme soutenir COP o ya benga kiango izaki de tournement affaire ya 15 millions après explication en bas ezaka ka ndenge biso to lobana ba kino wa eza COP eza rétro commission ndenge ça mona mboka mais a boya ki ko kende trop alobi atiki nyo son injustice mais écrit débat ko sakanate voilà tout ça na IDPS to tout na bango to solo la to na président Panzwa le lot ko mega to solo ni mo mke question intervention du chef de l'état ndenge le kaki le lot créer polémique en tout cas sans plus tarder mbote mon mboka président Panzwa mbote ndeko Ousmane voilà alors le lot ye to tout na yo par rapport ya intervention ya chef de l'état na TV5 le lot bat ba critiquer au moins minga et surtout ma grande bétali n'est dans l'objet à 15 millions il y a soutenir COP n'habitez d'abord intervention naïe bino borete n'a qu'une ligne à malam à l'objet et kouna na naza désolé j'ai l'impression que n'habitez bateau balobi bongo baza à diaspora tout baza na Kinshasa. Tangu mutu azoloba ifo bolanda azoloba malobane azoloba ngona tanini azoloba na tanini pe contexte nini azolobela le président a voulu expliquer ce qui s'était passé tangu abengi yango rétro commission. Oui, le but c'est ça. On a commencé à l'arrangeur pendant période où on a y a régime sous ces agis nango légal. A expliquer ma camboyo et salaman amboka. Hein? Oh, et koki ko continuer te atiki yango na maboko ya justice. Accueilli plus loin parce que c'est juste un extrait que vous voulez prendre. Tant que président le but que non. Juste ça la débat. Non, et quand ça extrait quand ça la débat, il faut pas un discours intégralité, un discours. Tant que intégralité à l'obi na mambo, à l'obi que y est à koki ko remplacer justice c'était ndenge za la ko sala makala. Justice eza na liberté nango ya ko fonctionner. Nde justice nde mutu eko éclairer biso et biso likambango ezali nini po. Tant que benga ki ba inspecteur il y a finance, bah inspecteur ne va expliquer hier, bah il sait ce qui s'était passé exactement. C'est comme cela que Abengiango rétro commission, en d'autres termes, c'est une corruption. Bah il y a encore français dengeni, hein? Tant balobi rétro commission ezali une pourcentage retiré na somme globale destinée à remettre ou à payer à une tierce personne pour permettre à ce que la personne puisse récupérer son dû, mais ce qui ne sera pas en totalité. C'est un détournement. Le président, c'est les Français, vous comprenez, hein? Yango oyokita un président lobi que non munokwango alinga ngo mingi. Loko la yebi ngo mingi nde komiko embrouiller bato. Bango balinga ki aloba ki c'est un détournement. Mais le col a bengi en rétro commission. Ce qu'on rétro commission n'est pas le bani. Et ça détourne mat. Hein? Et ça mbongo ya batu, bolongo lindambu na kati pour un service donné. Tant que bino bopesi service pour que bapesa bino quelque chose, en tant qu'autorité de l'État, c'est une corruption, non? Mais le président a bien parlé, bande gonanga, boza na diaspora. Boza et si kabaloba. Non seulement diaspora, même na Kinshasa. Ah bon, ceux qui na Kinshasa, batouba. A tout nion, c'est bango pe baza na déficit, ya connaissance, ya langue, ya molier. Nous parlons français, nous avons étudié pourquoi. Mais comment bako kene ko créer corruption et que confusion na réponse moutou apesi. Je crois que ko banga ya poids ya moutou wana makambazo loba. Loko la loba ki makambwe bele ya kitoko mingi. Balingi ba retirer loko moko ya muke pour ki batia ona mutu naye. Mais tango atayile maki devant la communauté, qu'est-ce qu'il a dit ici devant la communauté? Il a expliqué clairement avec beaucoup de détails d'ailleurs qui étaient clairs.
abi justice ça musa nango justice ça musa nango justice kangi soki soki ça la tête jusqu'à présent oui mon pouvoir zo baka azotika na justice jusqu'à hein procureur a reconnu que non a ça zo ki dossier pour procureur a ça initié ba banquette na qui va aboutir soki banquette aboutir na responsabilité quelconque bakamati ba tuna bati bango devant un magistrat c'est fini non. Président lobby que rétro commission esa ba habitude o esa laiko salama déjà na na mboka au cop abenga ke cop mais oui esa cop okasi et comme qui cop donc c'est ce que Vital Kamerhe et les autres sont tombés dedans. Maintenant il faudrait que la justice détermine qui était dans cette affaire. Est-ce que Kamerhe était seul? Pourquoi pas autant un ministre était pas autant à Kamerhe? Il y a des gens qui ont été rapportés. Donc la combat caméra est en akati. Comme inspecteur abi rapport on a pensé qui attend la combat caméra. Il y a mututé. Non non non. Procureur nde mutu asengi batu batika ko spéculer autour ya dossier wana vrai ou faux. C'est le procureur de la République. Ce n'est même pas le président de la République. Procureur abi batu batika ko spéculer, il y a continuer ko sala musala na ye jusqu'à ko ce qui a déterminé ba responsabilité. Donc batika makambu ezo sala ma bien amboka oyo. Ba détourna ba 32 millions à Moutalobate. Hein? Ba détourna ba 47 millions Moutalobate. Hein? Awa et pas ya Félix ba détourné 15 millions, tout le monde en parle. Au moins il était que différence ces ali na bango. Bien que Félix abi o union sur les cas hier occupé sous son boue les cas te. Azoro azote ala le plus. Mais aloba kon enti. Non non. Ah bata balanda ka français malamo. Problème eza a eza problème ya français. Président Alobi Boye. Voilà. Abi par rapport à ce qui s'était passé dans la République démocratique du Congo. Nous devons savoir que certaines choses sont dépassées par rapport à l'avènement des élections dans ces pays. Les questions concernant les personnes qui étaient chargées pour obstruction dans le processus démocratique électoral. Aujourd'hui, c'est sans objet. Parce que les élections ont eu lieu et c'est l'opposition qui a gagné, qui a pris les pouvoirs. La raison pour laquelle il y a en Belgique un assouplissement et des sanctions. Un assouplissement et des sanctions par rapport à l'obstruction du processus démocratique et électoral. C'est les Français. Donc ce qui autrement dit, ce qui concerne les crimes, ou en justice, ça nini, à ça la moussala naï. Moi je pense que de ce côté-là, c'est clair. Donc problème est ça, Ousmane. Problème est ça, Batou Bazo l'anda koyoka français, bazo kango malamouté. Nabandi président, naibite mbalo na osengaye alouba na lingala. Peut-être na lingala. Ba malentendu que zalaté pour français comme ça bat mon tout passe mais baloba qui attendait mais finalement makambuta tango zoloba ça commence à étonner plus d'une personne. Cet homme est très intelligent et très sage, il dit des choses très profondes, même le monde intellectuel reconnaît les valeurs de cet homme. Donc il a parlé et ça crée polémique, ça crée débat. Je crois que l'homme intellectuel c'est comme ça, quand c'est, il parle ça crée débat. À servir une opposition, l'élément où l'opposition est là, Moussa, à expliquer aux Congolais. Mais quand il y a une communauté congolaise aujourd'hui, les Kambo, au fin du président, Bakangi ont été soutenus. Donc, l'union, même si vous avez une opinion contraire, un chef de l'État, revenez au pays, si tu veux entrer dans les affaires, tu vas entrer dans les affaires sans problème. Donc, chez moi, vous n'aurez pas un détenu d'opinion politique, il n'y en aura pas. Et je crois qu'il a garanti, il a garanti tout ça. Il doit faire Mike Moukebaï, c'est les premiers prisonniers du régime à Félix. Bon, ce sont les qui dire. Hein? Hein? C'est, ils peuvent dire ce qu'ils peuvent dire. Hein? Hein? Je crois que vous étiez au procès. Hein? Et les 13 chefs d'accusation, les auteurs des plaintes sont connus. Alors je me pose la question, si les auteurs de ces plaintes-là sont connus, autrement dit, ils veulent nous dire que c'est Félix qui les a corrompus pour porter plainte contre Mike Moukebaï. Mike Moukebaï représente quoi vis-à-vis à Félix Tshisekedi? Même quand nous étions ensemble, là où siégeait Félix, Mike Moukebaï n'arrivait pas.
Comment aujourd'hui, Mike Moukeba, vous voulez les placer au-dessus de tout le monde? Vous oubliez qu'il y a un Madidi quelque part? Non. Mike Moukeba est victime de ses propres turpitudes. Voilà, alors, Toulanda, il peut combattre. Je vais terminer le problème de Mike Moukeba. Il est victime de ses propres turpitudes. C'est un problème d'éducation et de la mentalité. N'est-ce pas? Et l'éducation et mentalité que Mike a acquis, certainement ça doit être de sa propre famille, vient de le rattraper à la fin. Je suis devant votre micro de Ousmane. Na yebite soki mukolo moko na micro na yo oyo. Tango posa nga ba question na sina finga mutu. Je dois avoir l'air retenu sur certaines choses. Mike Moukeba, il passe à la télévision. N'est-ce pas? Il cite le nom d'une personne. Il est en train d'écailler même ses problèmes intimes et personnels à la télévision. Il injurie le président de l'Assemblée provinciale à la télévision. Il critique le président de la République à la télévision. Heureusement pour nous, le président de la République n'a pas porté plainte. Ce sont les tierces personnes qui étaient lésées des injures et des insultes et diffamations de Mike Moukeba qui sont aujourd'hui avec Mike Moukeba devant la justice. Il est indigne d'être député dans ces pays. Je crois qu'il paye le prix de sa propre turpitude. Il n'a pas à s'en prendre à Félix. Bon, le colazo l'oukababouk émissaire. Hein? Pour Nayoka qui quelque part a bâti d'agi lettre moko avocat Naya Salaki et pas président de la République. Nabandi tant président de la République à Ozonga, à autant en goût. Loko la paye pas à rané mouté mamawa. Ce qui parle au biati kayawa, à Kolobake non, à Kenangi na justice basalingé logote. Nago préféré ce président de la République à yé, à tangata moukanda en goûté. A tikaya bunda na justice, tiè siga osuka, à soukela. Voilà, alors Tolanda Reposilena, bino combattant Azor Senga, faut libérer Mike Moukeba et pour besoin. Fils Moukoko, n'a évité ce que vous avez fonctionné. Il y a des personnes président fédéral. Donc, je suis le président fédéral. Président fédéral, au coup d'arabatouna la dirigeaka au monde arabango. La politique, c'est le rapport de force. Politicien pour le bafaz en abattu. La simana et sosa abattu na simana été au nion sokoloba et zapamba. Ndegonanga fils Moukoko yango na zoloba. Bandegonanga tous ces disciplinés na vie na biso. Bino batu bozo landangai, soko lingo kende liboso ya mikro, soko beta ka likeke, soko beta ka gene, tika na gene. O kende na memoire na yo, polele, o loba makambo yo wuta na mutu na yo. Soko beti mwa poussière na mwa maya moto, maya moto yo chauffe servo, okoma biloba bi loba. Donc c'est à dire, fils Moukoko alongwe mambra yi de pes. Alongwe te, par rapport au nenge yo lobi awa. Abi sino bazo risque ba komise munene Mike Moukeba koma munene ba bimise bon so akomi munene za mabewa alingi pour ça politique ta longa journaliste comme c'est grand leader journaliste so ka linga koma leader batika ya koma leader na ndenge na ye batu bakangisi ba nini Mike Moukeba est-ce que basala politique na yide pes basala politique na yide pes il a des problèmes avec des personnes oh ya fin magaza ya cash bon si ko moko sur 13 ozomon Moko. C'est quoi? Oh, ils ont retenu, ils ont 13. Moni, sur 13, ce qu'ils ont Moko, c'est négligeable. Hein? Voilà, merci Apollinaire Panzou de nous avoir accordé cette interview. Pour Sili. Ma question est Sili. Sili, on a eu une question. Voilà, mesdames et messieurs, ça n'est fini. Hein? Merci Nabil Onyo Sobozo qui est là. Merci à Christian derrière la caméra. Oh, Lelo, habillé par l'éléphant de la presse web, 10 ans match, Azana micro, Azana rappel à la caméra. Donc, voilà, Onyo Sobozo Voice of Congo. Merci Nabil Onyo Sobozo, restez toujours fidèles sur Voice of Congo. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Vonk Info TV. Tokutani Mbala Yassima, Nanimero Msusu. Bye bye.